Pépite 1. Eh, Ndié. Tout le monde connaît la nouvelle du moment. Le Cameroun a été éliminé hier de la CAN 2021 lors de la séance de tir au but. Clinton Ndié, le dernier tireur camerounais, a totalement raté le cadre. On a enfin des nouvelles du ballon qu'il a tiré. Le ballon était perdu, on l'a cherché au Cameroun, mais on a enfin des nouvelles du ballon. Jimmy, s'il te plaît. Le ballon du troisième pénalty raté. Le ballon du troisième pénalty raté. Vient de tomber à Divo. Il vient de tomber à Divo. Donc, tous mes frères Divo, on sait qu'à Divo, ce sont les Didas. Les Didas sont très gentils. Venez ramener ce ballon-là au Cameroun. Les gens ont besoin de ça là-bas pour poursuivre la Coupe d'Afrique. Vraiment, Clinton, il y a quoi, hein? Ballon n'est pas facile. Allez, on continue. Hey. Pépite 2. Apprenez à cuisiner. On va oublier un peu à faire des ballons là, hein? Parce que vous, les filles de maintenant, quand on vous dit de vous asseoir à côté de vos mamans pour apprendre à préparer, vous n'écoutez pas les gens. Vous n'écoutez pas les gens. Vous vous promenez, vous cherchez à avoir iPhone 13. C'est iPhone 13, ton mari va manger. Mon ami, lis ce qui est écrit là-bas. Mon frère. Mon frère. C'est fini. C'est fini. Je ne peux plus sortir avec elle. Je ne peux plus sortir avec elle. Et l'autre qui répond. Il répond quoi? Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi? Elle a fait quoi et puis tu ne peux plus sortir avec elle? Elle a lavé les poissons avant de les mettre dans la sauce, bro. Il dit, elle a lavé les poissons avant de les mettre dans la sauce. Ah! Et son ami qui lui dit, mais c'est normal, non? On lave les poissons avant la cuisson. L'autre dit, c'est normal. On lave les poissons avant la cuisson. Il a répondu quoi? Sardine, bro, je t'ai dit, c'est sardine. Aïe! Hey, ma chérie, comment sardine tu laves? Pour mettre dans la sauce. Comment tu peux laver sardine pour mettre dans la sauce? C'est que tu peux mettre salade au feu. La vie est fruitée avec Priscilla. Votre nouveau jus de fruits naturel. Priscilla, vivez fruité. Aussi. Hey. Faut apprendre à préparer. Va voir ta maman. Tiens, apprendre la cuisine, c'est important. Pépite 3. Ellie, vous savez, le football, c'est un jeu. Le football, là, c'est un jeu. Et qui dit jeu, dit forcément rire, moquerie, joie de la victoire pour le vainqueur. Déception de la défaite pour le perdant. Il faut accepter ça avant de vouloir participer à un jeu. Si tu n'es pas prêt à accepter moquerie là, c'est qu'il ne faut pas aller jouer Coupe d'Afrique. Voilà. Voici notre dernière pépite. Mon frère, il a écrit quoi là-bas? Allô, Cameroun? Allô, le Cameroun? Oui, allô, c'est qui? Oui, allô, c'est qui? C'est Ellie. Le gars répond, c'est Ellie. Ellie qui? Quelle Ellie? Éliminé. 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 Non, on applaudit pas. Non, arrêtez d'applaudir. Arrêtez d'applaudir. Qui a ingesté cette pépite-là? Non, arrêtez. Oh. Éliminé. Je vous ai bien dit que c'est bon, mais non. Les Camerounais sont nos beaux. On se moque pas de la belle Boris, famille. Boris, un dernier coup. C'est Ellie. Quelle Ellie? Éliminé. Oh. Éliminé. Non, il n'y a pas. Arrêtez ça. C'est la belle famille quand même. Hein? Et puis ça devient du désordre. Cette pépite-là, qui a dit de gester ça? Qui a dit de mettre ça dans le système? C'est Samuel Eto'o. Non, je n'aime pas ça. C'est Samuel Eto'o. Non, arrêtez ça. Quand il vous dit de ne pas mettre les choses dans le système, ne mettez pas ça dans le système. Hein? Celui qui a fait ça, on s'attrape après l'émission à régler ça. C'est pas normal. Les Camerounais sont nos frères. On dit Ellie, éliminé. C'est pas gentil ça. Oh, c'est bon, passons à l'info buzz. C'est bon. C'est bien les amis.